Et salut tout le monde, c'est Floflo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. J'espère que vous allez bien. L'intro ultra rapide. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. La dernière fois qu'on s'est laissé, on avait essayé de sauver Elsa, Erza, Erza. On avait essayé de sauver Erza et ça s'était pas bien passé quoi. Enfin, on avait découvert que j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est vraiment possible que j'ai oublié son nom? Derval, merci beaucoup. Donc elle avait été kidnappée par Derval, torturée limite parce qu'il y avait l'appareil à ultrasons là, horrible. Donc je me suis TP directement sur Meridian, enfin sur la ville de la capitale de Meridian. Et donc je vous disais la dernière fois, je vous parlais de ces marchands spéciaux. Donc on va aller jeter un œil et après on ira finir, je pense, la quête. Je pense qu'on va finir. Je pense. Ah, je sais pas en fait. On va pas commencer par celui-là parce que j'avais déjà regardé une fois. Boîte mystère, on s'en fout des boîtes mystères alors. Ressources de machine, fleurs. Oh, ça m'intéresse. Genre on peut les vendre? Oh, c'est sympa. Bonjour monsieur. Ah, c'est toi non? Toi tu es le marchand de pièces spécialisé. Ah genre c'est tout. En fait je pense comprendre. Genre l'autre il me demandait, enfin celui que j'ai pas voulu prendre, il me demandait des pièces, enfin il me demandait des pièces justement. Et on a vu comme j'ai des fleurs je pourrais lui en donner à lui. Pourquoi on n'est De pas quoi aussi tu stylé voulais me franchement? parler? Tu es une étrangère, non? Une aventurière? J'étais comme toi avant. Je l'avoue. Les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Ça me plaît. Plus d'infos Tu as sur dit que toi. tu étais aventurier? C'est exact. Les nobles de Méridian recherchent des fleurs pour leurs balcons et jardins. Alors je suis parti, avec un arc et une lance. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres sauvages. Aucun bandit et aucune machine ne m'empêchaient de les trouver. Et après ça? L'amour, ma chère. Ma bien-aimée s'inquiète quand je pars en expédition. Alors je récupère les fleurs auprès des gens sans attache. Et ça vaut le coup? D'être coincé comme ça? Bien sûr, la liberté est douce, mais l'étreinte de ma belle Théradine est plus douce encore. Pas l'espace, trop belle et Théradine. Commercer des fleurs de métal, bah on Ces sait ce que fleurs c'est, de hein. métal, d'où elles viennent au juste? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais. Furieux un jour, paisible le lendemain. Les souffrances provoquées par sa rage le font peut-être pleurer. Ce qui craint pas, c'est pas du tout les mêmes choses. Du coup, que croire, je ne sais pas. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. Mais pourquoi tu dis pas tous les mots? Vendre. Mais arrête, j'en ai un des fleurs. Je ne comprends pas alors ton système. Ah! Ok. Carte, statuette, Banouk. Ah, ça, on n'a pas encore trouvé des statuettes, Banouk. Réceptacle antique, projecteur. Non, je me suis trompé de touche. Ok, des loot, quoi. Marque 2. 10, 10, 10. Donc, je suppose qu'il y en a 30. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ça m'intéresse bien, ça. Et ça coûte pas cher, donc. Pourquoi s'en priver? Le statuette Banouk, j'aimerais bien voir ce que c'est aussi. Prenons tout, j'ai envie de vous dire. Donc, en fait, c'est pas des À missions. la prochaine fois, C'est des marchands noble spéciaux qui donnent Nora. des coffres Discutons un magiques. peu. Non, je sais Allez, pas. Pas une des coffres magiques non discussion plus, mais. cordiale. Et toi, c'est quoi? Marchand de pièces spécialisées. Alors, lui ne parle pas. Rien à foutre, hein. Ah, genre, c'est la flemme de chasser, quoi. J'ai la flemme de chasser, donne-moi une lentille. Ouais. Bah, non, du coup. Excusez. Il y en avait un deuxième ici. C'est quoi cette zone blanche?
Ah! Encore plus de symboles sur ma carte. Je vais être perdu. C'est pas grave. Ça sera plus de l'ordre du. Je suis perdu, c'est par où? Du. Enfin, du hors caméra en fait. Hein, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Peut-être que je vous montrerai si un jour je trouve une statuette Barnouk. En fait, vous parlez pas tous quoi. Bon, on a bien compris le message. Maintenant, on va aller. On va rejoindre Eren, je suppose. Au palais du Roi Soleil. Et là, c'est chez Olin, donc c'est pas du tout. Par là. Regardez les respects qu'ils ont pour moi. À chaque fois que j'arrive, ils sont tranquilles là. Boum. Genre, lui est tranquille. Ok, non-respect, ça ne marche pas toujours, écoutez. Ça peut pas marcher à tous les coups. Oh, toi, je t'avais pas vu. Long rouleau de parchemin cacheté par les sourcils. Boîte. Ah non, les éclairs, on en a besoin, on avait dit. Ouais. Parce que les tenues coûtent cher. Mais vraiment, vraiment très cher, hein, en fait. C'est pas n'importe quoi. Regardez-moi cette vue, j'aime trop. Enfin, je trouve c'est trop magnifique. En plus, la musique qui va avec. Regardez, autour, limite autour, ça vaut pas la peine de regarder. Vous prenez ce plan-là, fond d'écran, vous enlevez à l'œil. Bah attendez, je peux normalement. Attendez. Je peux. Si je me mets en mode photo, je peux avoir ce plan. Si je me mets en mode photo, alors si je me... Comme ça, boum. Mode fo... Non! Non. Surtout pas. Surtout pas. J'ai cliqué sur charger partie. Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez. L'art du jour, on s'en fout. Distance focale. Quelle horreur, ça me rappelle la physique. J'apprécie pas. Teinte. Genre, la vieillesse. Aucune. On peut pas. Il me semblait que j'avais réussi à enlever à l'œil une fois. Attendez. Bordure, petit logo. C'est quoi bordure? Ah, d'accord. Non, merci. Oh, c'est sympa. Oh. Oh. Petit cœur. J'ai cliqué sur un truc là. En haut à gauche. Oh. Horizon. Sympa. Vignettage, taille. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, je sais plus. Tant pis. Il semblait qu'on pouvait enlever, mais non, en fait. Du coup. Donc, on va parler à Avad. Du coup, on va taper tout le tour. Et à personne aujourd'hui. Le roi n'a aucune requête. Ah, le roi n'est pas posé dans son siège. Dans son fauteuil royal. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy. C'est moi-même. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Ouais, je voudrais pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Eren, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant?
pour que tu puisses leur vendre. C'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa, ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Mais je savais qu'on allait faire ça. Qu'on allait faire un choix, n'est-ce pas ? Bref, l'ennemi est dans ville, en gros. C'est votre vraie question. Elle a pensé à vous. Non, elle a pas pensé à vous. Mais elle a pas pensé à lui. C'est pas le moment. Attendez, faut que je me mette comme si je vais faire un deuil. Je viens de perdre le... Bon, en même temps, nous, on la connaît pas tant que ça, Erza. Donc, on n'est pas non plus trop... Oh mon Dieu, elle est morte. J'avoue que c'est triste, mais... Enfin, à la place d'Erend, ouais, tu seras abattu, mais... Là, on a la place de Aloy, et Aloy, je pense pas qu'elle soit abattue par la mort d'Erza. Elle, forcément, forcément qu'on est touché, mais... Non, je sais pas. Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est tant. Ça se voit tant que ça. C'est vrai. Oh, j'avais oublié ce détail. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Ah, excusez, je m'excuse platement, j'avais oublié que. Je ne veux pas te faire perdre. Qu'il s'aimait bien, quoi. Erend t'attend à l'entrepôt. J'avais oublié, désolé. Mais j'avais vraiment totalement zappé que. Ils étaient bien ensemble, quoi, hein, on va dire ça. Ouais, donc c'est sûr que là. Oula. C'est sûr que j'aurais pris le choix du point, de la colère. Ça aurait pas été judicieux du tout parce que. Lui aussi, du coup, il est affecté. Ah oui. Même bien affecté. Toi, t'as un OCRM, toi. Toi, t'as un OCRM. Donc les OCRM sont gentils. Oui, les OCRM sont gentils. C'est Karja. Bonjour. J'ai des oiseaux qui font cuit là, ça m'énerve. Allez, une discussion colorée. Non, ça m'énerve pas, mais. Fait trop cuit, quoi. Trop de cuit, tu veux cuit. Ah, il y a les questions. Oui, mais non. On fera une séance de secondaire un autre jour, j'ai pas envie. Franchement, j'ai envie vraiment d'avancer dans cette histoire là. Je suis intéressé vraiment. C'est ici. T'es là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. Oh. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe. Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer. Ok. Je me tais. Ok. Ça met de l'ambiance. C'est sympatoche. Je voulais dire un truc. Ouais, les... Il y a des petits... Excusez, je visite. Hein. Bonjour. Ah, il y en a ici aussi, mais il y en a partout. Pas maintenant. Pas maintenant, c'est pas le moment. Ça fait beaucoup de flambées. J'avoue. Si jamais la bombe en bas explose... L'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. En fait, c'est vrai que quand on a pu penser à une bombe, j'ai pas du tout pensé. Félicitations à vous si vous avez pensé à la bombe. J'y avais pas du tout pensé. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Fais examiner avec ton focus. Doit y avoir un... truc. Mais il faut être sacrément débile, excusez-moi, pour faire une bombe et... Quelque chose coule du plafond. Faut être bien débile hein, pour faire une bombe et dire « Je laisse une solution dans le coin de la salle. Si vous jamais vous êtes assez intelligent pour la trouver, GG à vous. » Non. C'est un mec qui veut tout faire exploser. Tu fais tout exploser. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Si on peut se débarrasser de cette flambée, on peut casser ça.
si on peut se débarrasser de cette flambée. L'explosion sera contenue. Ouais, ouais. Je le trouvais. Non ? Mais allez. Tu mets une corde, boum, boum, boum. Alors, elle va exploser ? Tout à fait. Ça va faire un... Boum ! Parce que je vous avoue que... De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Eh oui, ben il est bien vu. Hein. Effectivement, c'est pas totalement faux. Si on peut se débarrasser oui, de bon flambée, bah. L'explosion sera contenue. Le truc, c'est que... J'aime pas trop les bombes. Surtout à côté de moi. Ouais, c'est sûr, c'est pas sympa quand c'est à côté. Attendez, du coup. Peut-être que là, maintenant, on peut. Ah, c'est dingue, la poulie, j'aurais bien pensé à... Un système de poulie. En gros, ça va exploser. Là, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, ça va exploser. Faut juste faire bouger ce qui est en haut. Hein, on peut pas grimper là-haut, par hasard. Faire bouger ce qui est en haut pour qu'il y a juste cette maison-là qui crame, quoi. Je crois. Mais là, on peut passer par là. Bien que les prises là, ça me... Dis-moi, tu ne devrais pas être dedans avec le capitaine? Ah bon, bah d'accord, je rentre. Ça, c'est déjà une info, c'est déjà qu'il n'y a rien qui se passe dehors. Déjà, enlevons toute source de feu. Ah, on peut peut-être tirer, non? On peut pas tirer, on est en ville. On est en ville, on peut pas tirer cette lampe là. Parchemin. Ouais, j'avoue que... C'est pas ma journée. Tout. Pas casser ça. Genre, tu la pousses. Ces attaches sont en bois. Pas très résistant. Okay. C'est ce que je voulais faire. Surtout, m'aide pas, Erend. Hein. Aide-moi à la sortir. Okay. Ah, quand même. Tout en force, je sais faire. Prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et on va survivre? Je pense pas. On pousse. Patoche, toi. Mais il y a des gens en dessous. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Non, tu dois le capturer vivant, t'as dit. Excusez-moi, mon loulou, mais là, tu dois le capturer vivant, tu respectes pas les consignes. Je suis pas d'accord. Excusez-moi. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que pour un jeu de PS4, cet effet d'explosion était ridicule. Là, c'est bien fait, la fumée. Mais là, les flammes. Elles sont en 2D, là, les flammes. Et je brûle même pas. Ah si, je brûle. Pas grand, je suppose. Donc, je suis pas d'accord avec... Bon, c'est dommage. Avec de la flambée. Dommage, mais je suis pas d'accord. Bonjour, c'est pas moi. Je trouve ça dommage que... Oh, les gardes, ils viennent et tout. En mode... Attention, il y a le feu. Oui, bon, je trouve ça quand même dommage. Après, peut-être que les développeurs se sont dit... Bon, bah, c'est un truc secondaire un peu. Enfin, c'est en parallèle avec l'histoire. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est moins... Peut-être. Peut-être. Mais bon, c'est quand même un vrai bon jeu. Donc je pense que... Par contre, cette piste va nous mener où? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? Ah, peut-être que si on comprend le mécanisme ici, on pourra essayer avec la porte de chez Olin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous souvenez de la porte chez Olin? Il y avait un... Ok, ça patoche. Il y avait un... Comment on appelle ça? Oh, ok, faut juste descendre. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu nouille. Derval a fabriqué le détonateur. Oh non, il a détruit le mur. Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais.
Ah, ça craint. Mais par contre, contourner un palais comme ça avec cette, dans cette végétation, j'adore. J'adore. Ah, il était juste là, ok. Derval. À mon avis, va falloir. Enfin, à mon avis, ils ont un truc de son comme on a vu dans le dernier épisode. Ah, donc ça va faire mal aux oreilles. En gros, Derval, il a entendu l'explosion, il a fait quoi? T'es pas censé exploser maintenant? Et du coup, ben, il a couru pour mettre son plan à exécution. Mais qu'est-ce qui l'anime, Derval? Enfin, qu'est-ce qui... Oh. Il fait une chaleur d'enfer. On va te faire toute l'eau que les gens vont boire. Sympatoche, ils vont tous avoir la gastro. J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. C'est quoi en fait? Ils sont pour... En fait, ils sont pour le... Un champignon, ça veut dire qu'il y a un boss à la fin. En fait, ils sont pour l'ancien roi, c'est ça? Je suis repéré. Bah, en même temps, ils étaient deux, quoi. Que je veux que je fasse? Que voulais-tu que je fasse? Il y avait rien à faire à part ça. Non, ne vise pas. Vas-y, vise lui. Yep, éclat de métal. Pour cette interruption. Désolé pour cette interruption, j'ai eu. Enfin. Voilà, il y a eu un truc. Je saurais quoi en faire. Petite, petite interruption. On repart. Ouais, non, c'est bon. On y va. Du coup, je me rassieds dans toute ma grâce. Ou dans toute ma graisse, je ne sais pas. Mais attends, mais pourquoi le dans le palais il y a une entrée pareille? C'est totalement fou de faire un truc comme ça dans le palais. Je vois l'aqueduc mène au palais. What the fuck? Ah, mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karjar, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Ok, on a remis nos bouchons d'oreilles. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non! Ça devait être un incendie, pas une flamèche de feu de cheminée! Ah, d'accord. Ok, d'accord, donc en fait, ils sont pas partis en entendant l'explosion, ils ont. L'explosion était prévue pour ça. Nous, on a le bouchon d'oreille, on les garde. Et... Je pensais, je savais même pas qu'on les avait gardés en fait. Bah, là, quand tu veux. Vas-y, n'aie pas peur, t'es what? Ok, en fait, ça a pas du tout compté. Mais what the fuck? Ok, ça... Pourquoi pas? Plus de place. Vas-y, Avad. Donc en fait, non, il s'est pas motivé par le fait de... Ah, ok, faut pas... On laisse le roi en train de mourir, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bombe ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord, puis celui d'Avad. Un crotal. Non? Ah non, c'est pire que ça, je crois. Ok, donc sympa la... J'ai beaucoup aimé la... Wouah! Pourquoi Avad envoie toujours des... J'ai beaucoup aimé cette cinématique. What the fuck? Tiens, crève. Attendez, c'est un humain, donc un humain ça craint le feu. Pas du tout, ça ne craint pas du tout le feu. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas de... Je m'envolais moi. Ah, je suis coincé. Diriger une armée.
bâtards et des ravageurs. Alors une plus bien sauvage. Je l'ai raté. Wouhou. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Rien à foutre, je vais geler le palais. Je ne vois plus rien. Boum, je l'ai raté, je suis nul. Ah là. Abattu des buzards et des ravages. C'est pas encore terminé. Oh, c'est dommage. Tout bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Lol. Non. Pas ça. Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place? Je ne sais point. Alors là, je vous dis clairement, je ne sais point. Vas-y, meurs, s'il te plaît. Meurs. Je fais même pas de mon ça parce que c'est du sol à terre quoi. C'est pas de la terre, c'est rien. C'est pas. Ok. Visez le noyau au cœur. Ok, j'ai compris. Par contre, le gel, ça fait froid. Ça fait froid, le froid, ça fait mal. Oh, au travers, ça fait mal aussi. Yes. Ok, deux. Il est où le gros? Cœur, vas-y. En fait, il vole. En fait, je vais me prendre ça par salve, je pense. Yes, tombe. Tombe dans le vide. Pouh! La puissance! Oui, pause! Je viens de me souvenir de ça. Excusez-moi, j'ai acheté double flèche. Quand même, non? Ah, R1 en visant. J'ai à dire. Ah ouais. Ah, c'est sympa. Bon, il y a un temps du coup, mais. Il y a un petit temps, mais. Enfin. Dans cette situation là, ça va bien m'être utile. Sauf si je meurs, évidemment, parce que. Ça marchera moins bien. Mais ils se mangent entre eux, c'est tellement. Vous êtes dégoûtant. Tiens, une bombe de gel, même si vous écrignez pas le gel, parce que. Et. Ah, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux avoir une deuxième fumée? Je sais pas si ça va marcher. Bim. Ok. Où est-ce que t'es? Ah, mais je sais pas le viser ce truc. On va viser lui là-bas, il est mieux. Il est plus enclin à mourir, je pense. Je l'ai touché. Oh oh. Bonjour. Voilà. Lui en fait il passe son temps à bouffer ses amis. Bonjour, je viens pour bouffer mes collègues. Par contre c'est comme la flambée, vaut mieux pas être dans les parades pour enfin quand ça explose quoi. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un grand. Enfin il y a les petits, donc les étincelles, qui sont celles-ci. Et il y a les grands, que je sais pas comment ils s'appellent, mais ils sont vraiment ultra forts, enfin je sais pas les. J'ai déjà essayé de l'affronter. Bah d'ailleurs quand j'ai fait la transition entre l'avant-dernière et la dernière vidéo, j'en ai croisé une et genre elle m'a suivi tout le long. Et j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Bonjour. Maintenant est-ce que tu peux mourir? J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire pour elle. Tu vas échouer.
Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort. Oh, ça c'était nul. On est d'accord sur le fait que les graphismes de cette mission sont nuls à chier. Enfin non, ils sont pas nuls à chier quand même. Mais je veux dire, genre le coup là qu'a fait que c'était pas crédible du tout. La flamme qu'on a vu tout à l'heure qui était pas crédible non plus du tout. Ça vous êtes sympatoche, hein, mais cette mission, elle est un peu tirée par les cheveux. Attends, lui est plus proche. Le Roi Soleil, je parie. Oui, ah non. Ah si, le Roi Soleil. Mais en fait, je viens de comprendre. Derval n'était pas là pour... Enfin, il était pas pour l'ancien roi, c'est juste que justement l'ancien roi l'a fait tellement souffrir. Il l'a fait tellement souffrir. Ça se dit, hein. Il l'a fait tellement souffrir qu'il veut plus de sa famille au pouvoir. Il veut plus personne. Une nouvelle. C'est qu'est-ce que c'est? C'est une. Je ne sais pas. Aloy. Dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil, sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Nope. Ah, ok. Ah mais ça, c'est l'info croustillante, on va se la garder pour la fin, enfin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval? Pour l'instant, il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Prime Source, je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Oui, bon, bah écoute, il a fait ce qu'il a fait, hein. Les assassins de Nora. C'est une faction des Karja de l'ombre, appelée l'Éclipse. Ils déterrent des machines antiques, des armes pour mieux frapper Méridian. Je vois. Ce que tu dis correspond au rapport que j'ai eu de Marad. Les Karja de l'ombre dissidents, une invasion de machines corrompues. Sais-tu quand cette attaque aura lieu? J'en suis pas certaine. Nous nous préparerons autant que possible. Tiens-moi au courant si tu en sais plus. T'inquiète. Non! Hé, hey, j'ai pas fini de te parler. Merci. Non, mais c'est quoi ce choix? Non? Pourquoi vous voulez que je reste à Méridian? Moi, je reste pas à Méridian, ça a pas été. Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Comme vous aviez, Erza? Non. Fait... Non. Non, mais non. On est en 2017, mais s'il te plaît, merci. Je n'ai pas un rôle de suppléant. Bon, ok, c'est possible qu'il nous fasse un coup du genre... j'aimais bien Erza, mais toi, je t'aime bien aussi. Mais on va lui répondre... Pas... C'est ce que j'allais répondre... Ces propositions, mais... Sans les propositions, de toute façon. Je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins... Pour l'instant, j'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridian. Oh, bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa.
S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous, et non un adieu. Oui, mais non, parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir qui est ma mère, qui, pourquoi ces machines sont là. Enfin, on a plein de choses à faire, tu vois, monsieur, donc on ne va pas rester avec toi. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Mais oui. Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karja et les Océram à Méridian étaient trop compliquées. L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Océram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait ? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Oh là 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 là. Mais Derval avait une... Il avait un enfant, il avait une femme, non? Il y avait quelqu'un, quoi. Je dois y aller. Je ne tergiversons pas plus sur ça. Allons voir Derval, parce que c'est facultatif, mais j'aime bien papoter, du coup on va aller le voir. Parce que je pense que si on parle à Erend, la quête facultative va se... Et du coup, on pourra plus parler à Derval. Du coup, on va parler à Derval tout de suite, même s'il est plus loin. Ah oui, vraiment beaucoup plus loin. C'est pas grave, ça va vite. 200 mètres, c'est quoi? C'est 200 pas, voilà. Si tu fais des grands pas, ça fait 200 pas. Après, si tu fais des petits pas, bon, ben, désolé pour toi. Écoute, normalement, si tu fais des grands pas, ça passe. Genre, tu fais des grandes extensions pour pouvoir atteindre un truc. Vous l'avez mis dans le puits? Ah non. Ouais, je... Ça aurait été cool s'il aurait été dans le puits. On aurait été en haut, on aurait fait... Hello! Ah que coucou! Oh, what? What? La route. Mais non... Par là... Non. Attendez. À la gauche, à la gauche. The fuck, c'est où? Vas-y, mais défonce la porte. On s'en fout. Voilà. Pousse-toi, on va dans les cachots. Pousse-toi, on va dans les cachots. Ah, une caisse bleue. Ouais, bon. Une caisse bleue, y'a mieux, quoi. Mais what the fuck, attendez. Casse la grille, vas-y. Mais ouais, vous êtes sympa, vous, mais... Attends, là, tu me dis 52 pas par là. Boum. Par là. Suive la flèche. Pourquoi j'ai pas suivi la flèche? Pourquoi? Par... Bah ouais, mais là... Bah d'accord. Ok, ça va, ça va. Coucou. Mais what the fuck? Je voulais être courtois et tout et toi tu me... Bah va te faire voir. Tant pis. Crève dans ta geôle de la mort. Attends, tu me fais tourner en rond là, non? Excuse-moi. Un petit peu quand même. Tu aurais un moment étranger? Par où qu'on monte? Ah mais je vous dis, le sens d'orientation et moi, c'est pas... On n'est pas copains, hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là aussi, mais bon. Ok, on va parler à Erend et on va se laisser parce que ça fait déjà 40 minutes, ça fait beaucoup. Et puis on se retrouvera très bientôt. Genre, je sais pas quand. Quand j'aurai le temps de refaire un épisode. J'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval, je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir,
Je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies, non? C'est à moi que tu demandes. T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oui, mais non. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Oui, mais non. Tu vas pas le faire. À ton avis, qu'est-ce que les Océram vont faire à Derval? Déjà, petit morceau. Ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. Tant de haine. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Ah mais trop de haine là, c'est bon. Et après tout ça, quel va être le programme d'Eren de l'avant-garde? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. Bah, comment ça, plus d'alcool? Mais t'es pas censé te... Non, t'es pas censé se faire ça à un enterrement? Bon. Je sais, non, je suis pas d'accord. On écoute une bizarre. Des matraqués, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux? Elle m'aime bien. Tu nous as baratiné? Tu nous as baratiné? Il nous a baratiné. Ouais, je t'ai menti. Tout ce que je t'ai dit sur Meridian, que c'était une bonne ville, que tu serais plus une pariole si tu viendrais un peu à Meridian, je sais pas quoi. Non, je t'ai menti. C'était pour blaguer. C'était pour blaguer, hein? Mais t'es pas drôle. T'es nul. Descendu dans mon estime. Enfin bref, on va se laisser ici. Du coup, on a fini cette mission parallèle. J'appelle ça des missions parallèles. Trophée, sympa. En fait, c'est simple. Il y a les missions principales, les missions parallèles, les missions secondaires. Mission secondaire, c'est genre les points d'exclamation verts. Les missions, c'est quoi ça? Les missions secondaires, c'est donc les points verts. Les missions principales, ben, c'est celles qu'on a, on a plus que celles-là en fait. Celles qui vont nous donner des informations sur le monde. Enfin, sur notre histoire principale, quoi. Et histoire parallèle, sur celle avec la chef de guerre des Nora et chef des guerres des... What? C'était deux chefs de guerre? Intéressant. Chef de guerre de Meridian. Qu'est-ce qu'on a encore? Sous-équipé, mais là j'ai la flemme. Armure antique, ben il manque une dernière armure, mais je crois savoir où elle est. Et on ne peut pas l'avoir pour l'instant. Cours de bandit, j'ai la flemme aussi, voilà. Zone de chasse, non. Creuser, oui, faut que je le fasse. Zone corrompue, didacticielle, le truc que je n'ai jamais fait. Bonjour. Enfin, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo... vous aura bien plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de défendre un peu le palais. Parce que sinon, ils allaient tous mourir. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre le j'aime. À mettre aussi, si vous avez des conseils pour moi. Parce que j'avoue que j'en parle pas assez. Mais des conseils, genre... peut-être que moi, que je devrais mieux parler. Ou je sais pas. Enfin, des conseils sur la façon de faire. Voilà, la façon de faire. Des conseils pour que ce soit mieux, quoi, pour continuellement améliorer le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez. Donc, si vous avez des trucs, des conseils comme ça, des petites astuces, des machins, des trucs, je prends volontiers. Et puis, c'est tout, oui, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, on continuera et on ira, ben... C'était pas un entrepôt? Ah oui, voilà ça. Il faut qu'on va à un endroit, mais pour ça, il y a tous leurs focus, du coup, faut désactiver leurs focus, du coup. Ça va être un vrai bordel. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!